Salut, c'est Jess et Romy pour Body Reboot. Body Reboot. Je vous présente la suite de la prise en charge avec Koné. Pour comprendre, allez voir les autres vidéos, vous allez voir de quoi il souffre. Et aujourd'hui, pour la première fois, on a de l'espoir. Parce que jusqu'à présent, notre prise en charge, elle avait zéro effet sur lui. Et maintenant, il a des moments où il a pas mal. Koné, après 2 ans où il a eu mal tous les jours. Ça disparaît, ça réapparaît. Oui, jusqu'au jour où ça va plus revenir. Ça vient, ça part, et mais c'est de moins en moins. Enfin, au fur et à mesure. En fait, il faut dire qu'on attaque le problème sur plusieurs aspects en même temps, plusieurs plans en même temps. On a choisi les meilleures armes et les plus efficaces, selon nous, pour travailler sur ces problèmes. Cette tu engages le dos. 7, voilà, pas trop loin derrière. 8, reste suffisant. 9, 10, oui, collègue. Prends le coup sauteur sur ça. 11, très bien, continue. 12, la tête haute. Oui, et c'est d'ici que tu aspires. 2, pouce, voilà. 3, voilà, plus la tête. 4, côte. Non, pas la tête, côte. Oui, continue. 5. On l'a vu 3-4 fois par semaine. On l'a massé à chaque fois, on lui a fait faire des étirements. On était là même les dimanches. Vas-y, et tu te poses. Est-ce que tu peux écraser ma main au sol? Tu sens mes doigts? Oui. Écarte les épaules et étire ta main. Là, maintenant, pose ici au sol. Ici, non, pas la tête, le dos. Voilà, va. Oui. Tends les bras maintenant, vas-y. 1. Et tu me continues ici. Et 2. Oui. Tu ne me lâches pas ici. Oui. 3. Oui. Et tire ta nuque tout le temps. Et là, ça bouge tout doucement. En plus, tu comprends bien. Écrase maman, qu'on est. Oui. Pas la tête. Pas la. Là. Oui. Très bien. On vérifie la tête. Continue. 5. Voilà. Du moment que tu baisses les épaules, on est en sécurité au niveau de la nuque. 5. Mets le bus sur les cuisses. Voilà. Lâche la tête. Et laisse ton dos s'étirer. Un abonnement, un like. C'est la Roumaine qui m'a appris. Sérieusement, c'est super important pour nous. Ça va nous aider à nous développer et à faire connaître la chaîne. Plus il a là deux points, deux petites pierres qui lui lancent dans la nuque. Hein, le connais? Oui. Ça te fait mal dans la nuque? Oui, deux petites pierres qui lui créent d'énormes souffrances. Est-ce que tu peux arrondir encore une fois ton dos doucement? Tu relâches une toute dernière fois. Inspire, arrondis, vas-y. Allez, courage, courage. Et tu relâches. Pour l'instant, on a réussi à lui offrir 2 jours de répit sur 2 ans de souffrance continue. C'est la première fois que tu as 2 jours de tapamate. Sans... Donc ça c'est un grand espoir. Ok, c'est peut-être pas beaucoup, mais pour lui, c'est énorme. Après avoir fait les ventouses la dernière fois qu'on s'est vu, le lendemain, comme je vous ai dit avant-hier, je me sentais super bien. Là, je ne sentais même plus la douleur. Mais j'ai fait un mouvement bizarre comme ça. Là. Genre, fait comme ça, d'ici, ça c'est revenu encore tiré. Tu t'es enflammé, tu as voulu bam, bam, tu as dit ça, bam, direct, comme la dernière fois. Après, je... Tu as eu peur, c'est ça? Mais oui. Pourquoi tu es... Ben oui, c'est pour ça que je suis pas dans l'hôpital direct. La prochaine fois, on espère vraiment vous dire que ces douleurs s'estompent pour de bon. Allez, ciao. Body Reboot.